sa candidature, en fait. Sincèrement, me concernant, au moment où j'ai entendu M. Attal, en 2012, en mai 2012 à Sétif, dire qu'il n'allait pas, que sa génération t'adviendra, que les trois livres à l'eau, que c'était bon, quoi. Mais moi, j'ai sincèrement cru qu'il n'allait pas y aller. Et je me suis dit que il va peut-être organiser ces premières élections qui auront lieu de manière transparente et faire basculer l'Algérie vers la démocratie. Je l'ai pensé, oui, c'est naïf et utopiste de ma part parce que vous écoutez pas parler à un chef. Vous l'aurez écouté parler, vous n'avez pas pensé comme ça. Voilà, oui, non, oui, c'est vrai que. Alors, vous êtes quand même, vous allez organiser une première manifestation très vite après l'annonce. Alors, ça m'amène à poser une question. De militantisme, vous étiez quand même un peu en réseau avant, parce que sinon c'est pas possible. Non, pas très vite après. Au moment où Selel annonçait à haut rang que M. Attal Bouteflika était candidat officiel, nous étions déjà au commissariat. Oui. Nous étions au commissariat. Nous ne sommes pas sortis le 22 février. L'annonce de la candidature officielle de Attal Bouteflika s'est faite à haut rang le 22 février. Nous étions déjà à l'intérieur du commissariat. Donc en fait, pourquoi cite-il là ? Parce que ça faisait depuis plus d'une année qu'on attendait que M. Attal Bouteflika dise qu'il n'était pas et déclare clairement qu'il n'allait pas être candidat à ces élections. On en parlait tous les jours sur les réseaux sociaux, entre amis. On attendait cette déclaration. Et il se trouve que les mois sont passés et que des acteurs politiques ou pseudo-politiques commençaient à appeler à ce que Moudjahed Abdelaziz Bouteflika puisse être envoyé pour un quatrième mandat, et ça c'était. Vous étiez au commissariat, c'est une parole. Non, physiquement, vous y étiez réellement. On y était déjà, oui, au commissariat de Beausoleil. On avait été ramassés au moment où il déclarait ça. Préventivement. Pas préventivement, non. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire que si on a fait la première action, c'est pas au moment de parce que Selel a déclaré ça. C'était parce que plusieurs acteurs avaient dit que leur candidat allait être Jagdalis Bouteflika, que le FLN a appelé. C'était clair qu'il allait être candidat. C'était clair. Donc, on avait décidé de la journée du samedi 22. Mes amis militants et moi, nous avons décidé la journée du 22 et l'annonce est tombée quand on était. Après l'interpellation au niveau du commissariat.